Salut à toutes et à tous, c'est Koinski, on se retrouve sur Mini Metro avec beaucoup de plaisir. Pour moi et pour vous aussi, je pense, c'est pas mal de gens qui suivent la série, ça fait plaisir. On va jouer donc la carte de Melbourne après celle de Berlin. On va débloquer le mode difficile en essayant de faire 1000 points et il faut qu'il y ait toujours une station qui soit reliée à toutes les lignes. Ce qui va avoir certaines implications. Pas énormément, mais quelques-unes quand même. Je n'avais joué que 20 minutes à cette carte-là, sans doute au début quand je découvrais le jeu. J'avais fait un score d'un peu plus de 1000. Ce qui n'est pas énorme, énorme. Ok. Allons-y tranquillement, on verra les implications au fur et à mesure. Alors. Ah merde. Je crois que c'est une erreur ce que je viens de faire. Est-ce qu'il l'a considéré comme créé? Je crois pas, hein. On va pouvoir faire comme ça. Il vaut quand même toujours mieux commencer par le... par le hub, t'ont créé la ligne, sinon ils risquent de considérer qu'elle n'a pas été connectée. Mais bon, je pense que là, quand j'ai cliqué, elle n'était pas encore vraiment créée. C'est quand je l'ai posée qu'elle a commencé à exister, hein, je pense. J'ose l'espérer. Ok, premier ennui, on va dire. On va créer une autre ligne qui va partir vers le sud. Donc ça va être le carré, mon hub, hein, je l'ai pas dit, mais ça paraissait évident vu les vidéos précédentes que je vais quand même privilégier le symbole le plus rare dans le tas. Au début, c'est toujours le carré. Ça, c'est quand même un peu embêtant. Donc on va faire ça, et ici, on va partir là. Il vaut mieux faire ça, parce que comme ça, on a plus de possibilités de larguer les ronds. Il y aura moins d'encombrement. Tramway, alors ligne ou wagon. On va prendre une nouvelle ligne pour aller par ici, par exemple. Elles vont sûrement évoluer pas mal, mes lignes. Alors, la première implication à laquelle j'ai pensé à propos de du fait qu'il faut que le carré ici soit toujours connecté à toutes les lignes, je ne vais pas pouvoir utiliser le principe de la ligne... la ligne volante, parce que ça va être trop risqué, je risque des fois d'oublier de me connecter directement au carré, ou des fois je pourrais pas, donc ça va me créer trop de problèmes, je pourrais pas le faire. C'est trop risqué. Alors, pour l'instant on va simplement faire ceci. On arrive tout doucement, gentiment, aux 100 points. Alors j'ai vu que quelques-uns d'entre vous avaient acheté le jeu en passant par mon lien affilié, donc je tenais quand même à vous remercier. Ça fait toujours plaisir. Alors il me reste deux ponts, j'en ai utilisé un, donc j'en ai trois pour l'instant. Déjà pas mal. Je serais tenté de prendre une nouvelle ligne. Donc je vous remercie, hein, et c'est cool. Pour ceux qui connaissent pas, c'est Games Planet et ils sont très bien, ils sont français et ils vendent des clés tout à fait officielles. Ils ont généralement des bons prix, donc moi je suis vraiment très très content du partenariat avec eux. On va virer celle-ci et on va en faire une nouvelle qui part vers le sud. La faire passer par le triangle ici quand même. Ça sert à rien d'aller encombrer ici avec les triangles qui apparaîtront là, autant les déposer ici avant. On est un petit peu court au niveau de la ligne verte. Hein. Je pense que je vais me réorganiser bientôt. Ouh, c'est embêtant. C'est un peu embêtant. Enfin, comme elle est courte, c'est pas grave. Bon, on va dire que c'est pas grave. Il me reste une ligne éventuellement, si je veux réorganiser.
Pour l'instant, c'est pas le cas, on a passé les 200. Une ligne, j'en ai une d'avance, on va prendre le wagon pour les puristes. Je vais le taper sur un des verres là. Voilà, et parce qu'ici je vais faire encore un détour. Ça devient un petit peu ennuyeux. Ok, on va se réorganiser un petit peu. Ça paraît important. Donc, toi déjà, tu vas faire plutôt comme ceci. Toi, tu n'es pas à ton plein potentiel, ça me paraît évident ma petite ligne. Tu vas devoir grandir un petit peu, il est temps de prendre tes responsabilités et d'englober plus de symboles. Avec une belle alternance, ce sera parfait. Du coup, toi, je te libère ici. Je te libère là aussi, le rond, on s'en tape. Le carré ici aussi. Et donc, tu vas juste foncer vers ces points un peu plus distants là-bas. On verra après ce qui apparaît là. Et... ah oui, attends, il y a quand même la verte ici qui est un peu trop biscornue. Ça me plaît pas trop. Il va falloir faire quelque chose pour elle. Et ce quelque chose, c'est peut-être aller prendre ce point-ci. Et on verra pour organiser après, mais pour l'instant, c'est déjà pas mal. Je remarque ici, la turquoise n'a pas de triangle, alors autant la faire passer quand même. Ici. Je vais même plutôt la faire passer d'abord là et ensuite par le rond. Alors, d'accord. On est samedi et encore un rond ici, ce qui est assez embêtant. J'ai une ligne d'avant, donc je peux éventuellement recréer une ligne, ce que je vais faire, je pense. Ce que je pense faire. Très simple pour l'instant. On verra comment on fait après. Et alors on va enlever un des deux mauves et on va le taper ici. Ok. Un tramway. J'ai plus de pont, on va reprendre des ponts. Toi tu vas venir donner un coup de main ici. J'ai plus de pont et j'en avais que 3, donc je pense que j'ai bien fait de reprendre. On sait pas trop ce qui peut se passer. On a passé les 400. Non, tant que t'as rien, on va t'enlever. Toi c'est un petit peu pareil, enfin t'en as quand même quelques-uns, mais je peux te libérer un peu le temps. Faut juste se souvenir de la configuration qu'on avait faite. Voilà, on gagne un petit peu de temps sur le retour ici par exemple. Là, je vais reconnecter, ici ce sera bien, là il n'y a pas besoin. Celle-là est très très courte, tant pis, il y en aura 3 d'affilée, mais... je veux dire là je sais vraiment pas faire grand-chose d'autre. Là c'est bon. Pas besoin d'aide ici. Celle-là clairement est trop... elle est trop... il y a trop de choses dessus qui servent à rien. Ça sert à rien. On va le déplacer là. Ça va aider. On
On va organiser un petit peu ici. Regardez, on va... Parce que là, c'est quand même triangle. Losange, triangle, rond, rond, c'est pas bon. Donc, on va faire plutôt rond, triangle, rond, le symbole et encore un triangle. Ça, c'est nickel. Tramway, pont, ça sert à rien. Wagon. Et on va le taper. Qui a des problèmes ? Peut-être aider un peu la verte, justement. Il me reste une loco à mettre quelque part. On va la mettre ici. Alors, c'est vrai qu'il n'y a rien dessus, mais il y en a quand même qui veulent y arriver. Et même pas mal. Donc, ça s'accumulait parce qu'ils peuvent pas les prendre. Enfin bon, il y a autre chose à prendre de toute manière. Hein. Ça risque d'être quand même finalement légèrement un petit peu chaud, mais on va voir. Je suis pas du tout pessimiste. Voilà, ça devrait aller. Alors la orange va très bien en ce moment, donc je pense que celui-là on va le bouger temporairement. On va aider un petit coup ici. Oh! Là, on va faire ça. On est vendredi, on a passé les 720. Honnêtement, j'ai du mal à voir vraiment la difficulté de cette partie, sauf que... C'est ce coin-là qui m'ennuie un petit peu finalement. Mais c'est très court donc c'est pas trop gênant. Mais là quand même 4 à la suite. Tous ces machins-là que je peux pas. Que je dois apporter ici pour commencer à pouvoir les évacuer ailleurs. C'est très très fâcheux. Hein. C'est pas possible ça. On peut pas permettre un truc pareil. J'ai encore 2 ponts. Ça vaudrait peut-être la peine de passer par là par exemple. Déjà. Enlever ici d'une manière à n'en avoir plus que 2 et comme celle-là est très courte, plutôt mettre ici. Alors bon, c'est quand même pas mal d'avoir des connectivités. Je vais quand même laisser ça parce que ça permet par exemple les losanges de les amener par là plus vite, ce genre de choses. Donc il y a moyen peut-être de faire des petites connectivités entre 2 lignes. Ça vaut la peine de le faire, je pense. Même si c'est un petit détour. En tout cas, ça permet aussi d'augmenter l'alternance des symboles. Je pense que c'est tout bénef. Je pense que j'aurais plus besoin d'autres... lignes. 800! Bon, bah, je prévoyais un challenge assez tranquille. Bah, voilà, ça a l'air d'être bien parti. Hein. Ça, c'est plutôt bon. On s'en sort plutôt pas mal. Ce qui me ferait penser d'ailleurs que cette contrainte est peut-être pas une contrainte, mais plutôt un conseil. C'est peut-être bien un conseil. Faites un hub central et connectez-y toutes vos lignes. Et pourquoi pas? Je sais pas ce que vous en pensez, finalement. Je suis ami, il n'y a pas trop de soucis. Non, je crois pas qu'il faille que un hub, mais on peut faire plusieurs hubs. On pourrait dire chaque fois que j'ai un carré, que s'il n'est pas trop près d'un autre, je peux aussi faire un hub. Ou chaque fois que j'ai en tout cas un symbole rare, je peux de temps en temps faire un hub. Ça pourrait être une idée. Un réseau de hubs, un peu comme j'avais fait dans mes parties de Railroad Tycoon 3 récemment. Dans les dernières maps, j'avais fait cette stratégie-là de faire des villes vraiment qui centralisaient les ressources. C'était vraiment sympa de le faire, ça marchait bien en plus. Voilà, on a passé les 1000. Normalement, on a réussi le défi. J'espère que je ne me suis pas gouré en plaçant mes... on a 2 ponts, ça sert à rien. On va prendre la nouvelle ligne.
J'espère que je ne me suis pas trompé en plaçant mes lignes. Donc la nouvelle, il y a, je pense, au sud, ça va encore, même si ça, c'est pas terrible. C'est un peu longué, quoi. Je pourrais plutôt l'amener vers l'ouest. Ce que je pourrais faire, hein, c'est ça. Et ça, les enlever, ça raccourcit un petit peu ici, tout en maintenant une alternance et une diversité de symboles tout à fait suffisante. Alors faire une nouvelle ligne ici. D'accord. Là, les deux ronds ensemble ne me servent à rien. Qui ferait ceci. Juste ceci, c'est déjà pas mal. Et même, je peux lui mettre le triangle pour faire un peu de connectivité et gagner un triangle sur la ligne. Moi, ça me paraît un bon plan. Alors, un rond de plus. Je crois que la bleue, elle va, on va mourir si elle reste ainsi. On va alterner des fois avec la verte éventuellement. Voilà. La verte s'en tire bien. Ah ouais, c'est vrai qu'elle a loco à deux wagons sur la verte. Donc un hub central, une espèce de des tentacules qui en partent et qui de temps en temps s'entrecroisent à des endroits où il y a besoin d'un symbole, par exemple, parce qu'on n'a pas sur la ligne dans le coin. Ouais, c'est pas mal. Ça me plaît. Même si je pense que là, on va arriver tout doucement à la fin, parce que j'ai pas envie de faire trop de micro-gestion. On va faire un petit peu, mais... Tramway, wagon, on va réfléchir quand même où on va les placer. J'imagine que j'aurai besoin ici. Et... au moins là. Attendez, c'est quoi tous ces plus là? Ils vont où? Ah, ils vont là, ok. Ils vont revenir après dans l'énorme loco que j'ai fait ici, l'énorme train. Hop là. Oh, c'est un beau train celui-là. Il va rapporter un max de points. Je suis hyper content et je vais garder la vidéo même si on se rencontre ensemble à la fin que j'ai pas le défi. Là on risque de perdre. Que ça aurait été, mais je préfère être sûr. Donc celle-là, une fois qu'elle aura livré au centre, on va la bouger. Et on est samedi, on va encore avoir des choses. Je suis au nombre max de lignes de toute manière, ça c'est sûr. Oh là là. On est à 1600, ma foi c'est pas trop mal j'ai l'impression. Écoutez, tram et wagon, super. Alors où est-ce qu'on va mourir en premier ici? La bleue, ça va, la bleue ici, ouh là là c'est un peu risqué mais ça va. Ici ce double arrive. Là ça arrive, j'ai l'impression que je suis pas vraiment mal nulle part en fait. On va faire ça. Et on va faire ça. Là, il y a quand même besoin. Il y a quand même un gros besoin. D'ailleurs, ici, on va peut-être être un peu limite. Ouh, il y en a 4 ici, c'est beaucoup trop.
j'avais loupé celui-là, tiens. J'ai lu récemment que la musique du jeu était procédurale. Je sais pas exactement comment elle réagit au contexte du jeu, mais... En tout cas, je l'adore vraiment, elle est vraiment spéciale. Vraiment très étrange, mais elle... Elle participe à l'effet un peu hypnotisant du jeu. Je sais pas quoi mettre ici, en fait. Il y a ça. Voilà. Ok. Ah, c'est vraiment un chouette défi à faire parce qu'il est vraiment tranquille et... Et ça donne un résultat assez incroyable. Oh, j'ai loupé station. J'ai un peu perdu le fil là. 1884. Alors, retournons voir le menu. Ah, je suis dans les premiers 15% seulement. Bah oui, la carte est pas très dure. Peut mieux faire, clairement. Et alors, mode extrême. On a débloqué Melbourne. C'est bon, ça a fonctionné. Ouf. Ouf, je suis content. Alors, jetons un petit coup d'œil. J'ai l'impression que ça a été assez vite. On va jeter un petit coup d'œil à Hong Kong. Pour déverrouiller le mode extrême, atteignez 1100. Attention, petit bonus, 1100. En mode normal, avec pas plus de 8 stations par ligne. Waouh, pas plus de 8 stations par ligne. Des lignes quand même relativement pas courtes, mais de taille moyenne, max, pas des longs serpents. Il faudra absolument réussir à éviter, ce qui voudra dire que des fois, il faudra des lignes de soutien qui vont poursuivre d'autres lignes éventuellement. Intéressant. Très intéressant, je pense que je la ferai aussi, on verra, pas de certitude. Et en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et je vous souhaite bien sûr, comme d'habitude, une excellente continuation à toutes et à tous. Salut.